Chers élèves, bonjour. Dans cette première séance, on va essayer de cerner les difficultés dans l'apprentissage des mathématiques, et surtout concernant bien sûr les élèves du terminal. Ensuite, en second lieu, comment travailler son cours. Une fois on a un cours qui est déjà achevé, donc comment le travailler d'une manière rentable. Ensuite, comment aborder un exercice des mathématiques en mode de révision. Ensuite, on va essayer de détecter les différentes erreurs à éviter que les élèves le font le jour du baccalauréat. Ensuite, en dernier lieu, on va traiter un exemple, un exercice ou deux pour faire l'application de ce qui est déjà dit. Bien, comme vous le savez, bien sûr, les mathématiques, c'est une matière qui demande, qui exige un socle solide, un socle de connaissances assez solide. Et bien sûr, c'est une matière pas comme les autres, puisque tous les chapitres sont enchaînés lors d'une année scolaire donc elle-même, et aussi les années scolaires, aussi les différentes années scolaires, de la 7e année de base jusqu'à la 4e année. Toujours comme vous l'avez vu, que des notions. On a bien sûr 5 branches des mathématiques qui vont ensemble. Chaque année, donc, on a une partie de cette branche. Dès la 7e année, on a étudié, on a commencé à étudier l'algèbre, l'analyse, la géométrie, l'arithmétique, la statistique et la probabilité. Voilà ces 4 branches qui vont en parallèle le long de votre scolarité en mathématiques. Et bien sûr, toutes les parties-là sont très enchaînées. Si vous prenez par exemple la partie d'algèbre, qui est une branche des mathématiques qui s'intéresse à l'étude des structures sur les ensembles, les opérations sur les ensembles, et en particulier les équations. Donc, dans ces ensembles-là, on a commencé dès les petites classes, dès la 7e année de base, par l'ensemble des entiers naturels N. On a remarqué qu'il y a des équations dans N, à coefficient dans N, mais qui n'ont pas de solution dans N. Par exemple, l'équation de la forme x plus 3 égale à 0. Cette équation n'a pas de solution dans N, puisque si on déplace le 3 de l'autre membre, on trouve moins 3, et on n'a pas moins 3 dans N. Alors là, on a pensé à un autre ensemble qui contient l'ensemble des entiers naturels et qui contient aussi les nombres négatifs. C'est l'ensemble Z, et ainsi de suite. Aussi, on a remarqué que Z, c'est un ensemble insuffisant, vu qu'il y a des équations dans Z. Par exemple, 2x moins 3 égale à 0. 2 et moins 3 sont des coefficients dans Z, et pourtant, lorsqu'on calcule X, on trouve 3,5. Donc, 3,5 n'est pas un entier relatif. Alors là, on a besoin d'un autre ensemble qui contient Z et qui contient aussi les quotients. Les quotients, c'est-à-dire le nombre de la forme A sur B avec A et B sont des entiers relatifs, B différent de 0. Alors là, on a pensé à l'ensemble de rationnels. Q, c'est l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble des quotients. Et aussi, donc, on a remarqué en 9e année que cet ensemble, c'est un ensemble aussi insuffisant, vu que par exemple l'équation x carré égale à 2, si on a un carré par exemple d'air égale à 2, alors là comment chercher son côté? On a remarqué que son côté n'est pas un rationnel, racine carrée de 2. Alors là on a pensé à l'ensemble des nombres réels, et on a aussi cet ensemble des nombres réels. On a remarqué en 2e année que c'est un ensemble insuffisant vu qu'il y a des équations de second degré qui n'ont pas de solution dans R. Par exemple, l'équation la plus particulière, x carré plus 1 égale à 0, cette équation donne x carré égale à moins 1, et on n'a pas un nombre réel dans les carrés égale à moins 1, puisque tous les carrés sont positifs. Alors là, on a pensé à définir un nouvel ensemble. C'est un ensemble qui contient les réels, et qui contient aussi les éléments de la forme solutions de l'équation x carré égale moins 1. Donc une telle solution ne peut pas être un nombre réel, puisqu'un nombre réel au carré est toujours positif. Alors si ça existe une telle solution, ce sera un nombre imaginaire. On a pris la première lettre, on a nommé i du mot imaginaire, i au carré égale moins 1, et on a défini l'ensemble C. C'est l'ensemble qui contient R, tous les nombres réels, et contient aussi les nombres qui sont des nombres imaginaires, i et les multiples de i. Alors là, c'est l'ensemble, c'est des nombres complexes. Un nombre, donc, n'est pas un nombre simple. Il s'écrit de la forme x plus y fois i. Si je prends y égale à 0, on trouve les réels. Si je prends x égale à 0, on trouve les imaginaires.
et ensemble on trouve x plus y. C'est une écriture assez complexe celle-ci, et l'ensemble c, c'est l'ensemble des nombres complexes. Alors la question qui s'est posée, est-ce que cet ensemble c'est un ensemble suffisant ou bien on aura besoin d'un autre, d'un nouvel ensemble? Alors là la question, c'est en quatrième année qu'on a répondu à cette question-là, et au début aussi en troisième année on a commencé cette étude-là, et on a répondu à cette question-là en remarquant que toutes les équations dans cet ensemble, cet nouvel ensemble, l'ensemble des nombres complexes, toutes les équations ont des solutions dans cet ensemble. Et on a dit que cet ensemble, c'est un ensemble algébriquement clos, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un autre ensemble. Vous le voyez donc sur cet exemple-là d'algèbre, comment donc la discipline mathématique, c'est une matière qui est très enchaînée, que pour cette raison, parfois, donc, on trouve des difficultés là-dedans, différemment donc pour les autres matières. Donc ici, on va donner quelques difficultés qui sont, qu'on peut trouver lors de cette matière, lors de l'acquisition donc, des connaissances mathématiques. Ces difficultés diffèrent aussi d'un élève à l'autre. Parmi les difficultés qu'on peut rencontrer et qu'on peut trouver aussi dans les sujets et les copies des élèves du terminal, c'est qu'on peut voir que l'élève ne maîtrise pas bien le vocabulaire mathématique, puisque les mathématiques ont un lexique spécifique. Donc, tel que, par exemple, le vocabulaire concernant, par exemple, l'équation, inéquation, facteur, diviseur, arithmétique, dividende, ainsi de suite, produit, différence, quotient, et ainsi de suite. Ensuite, l'autre difficulté, c'est que de ne pas maîtriser la priorité des opérations. Et voilà, ça, c'est une capacité qui a été vue, bien sûr, dès les petites classes en 7e année, en 8e année. Donc, lors d'un calcul, comment donc procéder, quels sont, il faut commencer par quoi, et commencer dans une opération où il y a, par exemple, produit, somme, division, différence, ainsi de suite, par quoi il faut commencer. Alors là, vous voyez, donc toujours on aura besoin de faire du calcul, même en terminale, lorsqu'on calcule la dérivée d'une fonction, lorsqu'on résout une équation, toujours on aura besoin de faire un calcul où il y a donc somme, produit, ainsi de suite. Alors là, bien sûr, il faut donc faire attention dans la priorité des opérations. Autre difficulté, c'est que l'élève ne pas savoir se représenter dans l'espace. Par exemple, l'élève ne sait pas parfois se représenter dans l'espace. Par exemple, dans la géométrie, dans l'espace en terminale, par exemple, on a des plans, on veut chercher la position relative des deux plans, ou bien on veut vérifier que deux plans sont parallèles ou sont perpendiculaires. Alors l'élève, il cherche toujours, il cherche la formule. Est-ce qu'il a appris la formule ou non? Et pourtant, par exemple, s'il se projette dans l'espace, il imagine deux plans, par exemple, parallèles, alors il peut visionner un vecteur normal pour l'un, un vecteur normal pour l'autre, et regarder la situation, il voit que les deux vecteurs normaux sont collinéaires. Et de même, si on a deux plans perpendiculaires, donc essayer de se représenter dans l'espace un vecteur normal de l'un et un vecteur normal de l'autre, vous voyez la position de ces deux vecteurs, la disposition, on trouve que ces deux vecteurs aussi sont orthogonaux. Donc ça facilite beaucoup les choses dans la partie géométrie dans l'espace. Alors là, l'élève il trouve parfois difficulté à se présenter dans l'espace. Ensuite aussi, ne pas maîtriser les produits remarquables, et ça c'est point donc qu'il faut bien mentionner. Les produits remarquables que nous avons commencé l'étude dans les petites classes en 9e année. Ensuite, en première année, on les a terminées. Alors là, et l'importance des produits remarquables, ce sont deux moyens, ce sont des outils de calcul qui sont très importants. L'élève, souvent, il a plus B au carré, même en terminale, on trouve que l'élève confond et il a beaucoup de confusion donc lors de l'application de ce produit remarquable. A plus B au carré, il écrit parfois égal à A carré plus B carré, ou bien A au cube. A plus B du tout au cube, il écrit parfois A au cube plus B au cube. Et ça, c'est grave, bien sûr. Lorsqu'on fait les calculs, on trouve un calcul et un résultat qui est faux. Alors là, il faut faire attention. Donc, ce sont deux petits outils, mais ce sont des outils qui sont très importants dans les calculs. Ensuite, parfois, on trouve aussi l'élève en terminale ne maîtrise pas bien les règles des signes. Et les règles des signes, c'est l'objet de 8e année et 9e année, et bien sûr les signes d'un produit, les signes d'un rapport, et ainsi de suite. Faire des calculs,
concernant donc des nombres négatifs, des nombres positifs, produits, sommes, différences et rapports. Alors là, donc, l'élève, parfois, il trouve difficulté. Ils sont des lacunes qui montent jusqu'au 9e et première année. Ensuite, l'élève, parfois, ne sait pas intégrer plusieurs apprentissages dans une même tâche. Et ça, c'est par manque, parfois, de travail, par manque d'assimilation du cours lui-même. Parfois aussi, l'élève ne peut pas être précis et rigoureux. Alors là, bien sûr, on va donner une méthode maintenant pour comment travailler son cours, comment réviser son cours de mathématiques. Un élève du terminal, comment il fait pour faire une bonne révision, une bonne préparation de son cours ou bien de sa leçon qui a été déjà faite. Donc, il y a trois étapes, en fait. Une première étape, c'est que l'élève, il prend son cahier, son cours. Ensuite, il lit, relit son cours d'une manière donc attentive. Ensuite, il ferme son cahier, il doit fermer son cahier et prend une feuille blanche. Il va reporter ce qu'il a retenu. Ensuite, il va comparer ce qu'il a écrit avec son cours qui est écrit sur son cahier. Et cette opération donc doit être répétée d'une manière régulière jusqu'à ce qu'il retienne bien son cours. Ensuite, une deuxième étape. Il va donc après avoir retenu son cours, il doit élaborer une fiche donc sur laquelle il va inscrire en abrégé bien sûr les différentes notions du cours qu'il a déjà fait. Une bonne fiche doit contenir bien sûr d'abord les définitions, par exemple définition d'une primitive, définition de la valeur moyenne d'une fonction continue sur un intervalle fermé borné AB, définition des événements indépendants pour la probabilité. Toutes ces définitions, bien sûr, il faut les mentionner, il faut les apprendre par cœur, car dans les questions, donc bien dans les exercices, lorsqu'on vous demande de montrer que cette fonction est une primitive d'une autre fonction, si on ne sait pas la définition, alors là, on ne peut pas répondre à cette question-là. De même aussi, par exemple, les événements indépendants, lors d'un exercice de probabilité, si on vous propose quelques événements, on vous demande l'indépendance des événements-là, alors là, si on n'a pas bien assimilé, bien digéré la définition d'événements indépendants, alors là, on ne peut pas répondre à la question d'une manière convenable. En deuxième étape, il faut mentionner les formules essentielles. Exemple, les formules des dérivés. Dérivés d'une somme, dérivés d'un produit, d'une puissance, dérivés d'un rapport, d'une fonction composée, ainsi de suite. Ce sont les moyens qui vont nous permettre de faire les calculs des dérivés par la suite. Les formules concernant les probabilités, formules de probabilité composées, formules de Bayes, formules de probabilité, principe de probabilité. Ça, ce sont des formules à noter aussi sur cette fiche-là d'une manière courte. Ensuite, il faut mentionner les théorèmes, les propriétés fondamentaux en mettant bien sûr en évidence la relation entre les hypothèses et les conclusions. Lors d'un théorème, bien sûr, on a des hypothèses et on a des conclusions. Et entre les deux, bien sûr, on a beaucoup de travail à faire. Et ensuite, dernière étape dans la préparation de la fiche, il faut mentionner les méthodes de résolution, les plus connues, bien sûr, et les plus utilisées. Exemple, pour les équations de second degré ou bien les équations de degré supérieur à 3, dans l'ensemble des nombres complexes, on a bien sûr deux moyens. On a des méthodes de résolution, il faut les apprendre. Ensuite aussi, parmi les autres méthodes de résolution des exercices, on a les raisonnements, les principes de raisonnement par référence, on a l'algorithme décrit dans l'arithmétique, par exemple, pour chercher une solution particulière d'une équation diophantienne, chercher les signes aussi de la différence, parfois, donc on le demande, et souvent d'ailleurs dans les exercices d'analyse, on vous demande de comparer des fonctions. Alors là, donc, bien sûr, l'une des méthodes à utiliser, c'est chercher les signes de la différence. Et en cherchant les signes de la différence, parfois, donc, les calculs directs nous donnent donc les signes, on trouve un produit, on trouve un quotient, ainsi de suite. Et parfois, on aura besoin de faire l'étude d'une fonction. On pose une nouvelle fonction qui est égale à la différence de ces deux fonctions-là, et on essaie de faire l'étude en cherchant la dérivée et les variations pour préciser les signes de cette nouvelle fonction. Et à partir de ces signes-là, on peut bien sûr conclure quant à notre équation de départ.
Bien, une fois on a préparé cette fiche-là, bien sûr, troisième étape, on va mettre en application le cours. Une fois on a préparé notre cours, on a fait donc une bonne fiche, on a élaboré ceci, bien sûr, concernant donc n'importe quel chapitre, chaque chapitre, donc il faut faire une fiche pertinente donc, pour chaque chapitre. Troisième étape maintenant, c'est mettre en application ce que nous avons vu, ce que nous avons appris, bien sûr, concernant notre cours. Comment donc mettre en application? C'est en faisant les exercices. Donc, une fois donc le cours appris, on passe aux exercices d'application directe. Des questions d'application directe, ça c'est pour bien gérer, pour voir est-ce que nous avons bien assimilé notre cours ou bien non. Les applications directes sont des applications, sont des petites questions qui demandent une application directe en une seule étape d'un théorème ou bien d'une formule. Donc, ces questions et ces exercices, bien sûr, diffèrent de ceux qui sont proposés donc le jour du baccalauréat, mais dont le but c'est de vérifier si vous avez bien assimilé votre cours et si vous n'avez pas encore des lacunes concernant cette notion qui est abordée dans ce cours, au cours de ce cours de cette leçon-là. Ensuite, après avoir donc fait des questions d'application directe, alors là, on peut aborder la dernière étape qui sont des exercices type BAC qui diffèrent des exercices classiques car ces exercices donc, mélangent donc, plusieurs chapitres, plusieurs notions et bien sûr ce sont des exercices qui sont très intéressants et importants pour réussir notre sujet de BAC, sujet de mathématiques. D'accord? Par exemple, dans un exercice on peut trouver donc les suites. Donc des questions portant sur les suites, des questions aussi portant sur les fonctions, sur les équations différentielles. On peut trouver aussi un exercice où il y a donc les nombres complexes et les isométries et les similitudes. On peut avoir aussi un exercice où il y a donc résolution des équations complexes, des nombres complexes, une partie purement géométrique, une partie sur les coniques aussi. Donc voilà, ce sont deux exercices de type BAC. Ce sont des exercices qui mélangent, qui utilisent donc plus qu'une notion, plus qu'un chapitre. Voilà. Bien sûr, ensuite, une fois donc on a fait ceci, alors là, dans cette manière-là, donc, on peut dire que nous avons bien donc, assimilé, on a préparé notre cours. Bien, maintenant, comment aborder un exercice de mathématiques en mode révision? On a un exercice devant nous, un exercice type BAC, bien sûr, comment l'aborder? D'abord, bien sûr, il faut diviser d'abord notre travail en étapes. D'abord, il faut lire toutes les questions d'une manière un peu grossière. D'accord? En 2 ou 3 minutes, donc on peut accéder 2 ou 3 minutes dans cette lecture. Donc, on lit donc ces questions-là. Toutes les questions, il faut les lire. On peut aussi, lors de cette lecture-là, donc détecter les éléments importants, les thèmes traités, quelles sont les difficultés que peut-être je vais avoir lors de la résolution de ces questions-là. Ensuite, une fois j'ai lu donc toute la totalité de questions-là, de l'exercice, et bien sûr d'une manière un peu grossière, préciser bien sûr les thèmes à aborder, les thèmes abordés ou bien par cet exercice-là. Alors là, on reprend l'énoncé du début et on lit d'une manière attentive donc chaque question. On prend question par question et on se demande est-ce que je vois, après avoir lu la question-là, je me demande est-ce que je vois clairement qu'il va falloir mettre en œuvre dans cette question-là. Alors, j'élabore ce qu'on appelle un plan d'attaque de cette question-là. On découpe les questions, bien sûr, en fonction des tâches à effectuer. Surtout, bien sûr, on précise les hypothèses, il faut bien préciser les données, qu'est-ce qu'on a donc comme hypothèse. Il faut préciser, bien sûr, la conclusion, là où les conclusions, et on a plusieurs conclusions à démontrer. Et entre les deux, bien sûr, je vais utiliser les cours, les savoirs que j'ai déjà acquis auparavant. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Ensuite, utiliser, une fois on a précisé donc ce qui est demandé, on a précisé les données, les hypothèses, et on a précisé les conclusions où je vais arriver, alors là il faut utiliser mon savoir, mon cours bien sûr, et là c'est peut-être on a la difficulté qui,
qui réside donc dans cette utilisation, c'est-à-dire, bien sûr, aimer, c'est investir et mettre en application mon savoir pour surmonter les problèmes que j'ai devant moi. Et bien sûr, une fois donc j'ai répondu, une fois j'ai répondu aux questions là, il faut bien sûr faire une bonne rédaction de la réponse, une bonne rédaction. Bien sûr, c'est une étape donc très importante, une étape incontournable, bien sûr à ne pas ignorer. Ça donne la précession de votre copie donc lors de la correction. Donc il faut mettre l'accent sur la clarité de l'argumentation. Donc bien sûr, lorsqu'on prouve donc une notion, il faut bien sûr être clair dans la mise de cette réponse là. Au cours des réponses, bien sûr, on utilise donc les quantificateurs. Il faut bien savoir utiliser les quantificateurs, que pour tout, quel que soit, il existe une cité, ainsi de suite. Et ensuite aussi, il faut savoir, bien sûr, d'une manière précise et pertinente, la logique mathématique, savoir utiliser quand est-ce qu'on utilise les implications, quand est-ce qu'on utilise les équivalences selon les données. Bien sûr, toujours, il faut lire les phrases mathématiques et les étapes par les implications, bien les équivalences. Et lorsqu'on n'a pas besoin d'une équivalence, il ne faut pas l'utiliser, car on ne peut pas, donc parfois on ne peut pas passer. Donc on a deux propositions P et Q, parfois on demande si on a P montré Q, donc ce n'est pas la peine d'utiliser l'équivalence. Donc P, donc on a P, donc ainsi de suite, donc on implique pour trouver Q. Si on met l'équivalence, donc ça sera peut-être faux, peut-être Q n'entraîne pas P. Donc il faut, si on n'a pas demandé une équivalence, ce n'est pas la peine de... Bien sûr, d'utiliser une implication. Et surtout, il faut mettre ces liaisons-là, impliquer, équivalent, ainsi de suite, signifie. Donc, il faut bien lier les phrases mathématiques. Voilà. Donc, comment préparer son cours et comment préparer ou bien aborder un exercice type bac. Bien, quelques erreurs maintenant qu'on a rencontrées lors de la correction, que ce soit la correction d'un devoir de mathématiques ou bien lors de correction du sujet de mathématiques, donc en baccalauréat, il y a des erreurs à éviter, bien sûr. Ce sont des erreurs donc, qu'on a rencontrées donc, pas mal de fois. Par exemple, l'élève il confond parfois entre la valeur absolue d'un nombre réel et le module d'un nombre complexe. Donc ça n'a rien à voir. Il y a donc, bien sûr, la même notion lorsqu'on travaille dans R. Module les valeurs absolues, mais les propriétés ne sont plus les mêmes. Par exemple, pour le réel là, valeur absolue de x égale valeur absolue de y, ça c'est équivalent si x égale y ou x égale moins y. Par contre, pour les nombres complexes qui ne sont pas des réels, module de z, on a la même notation, bien sûr, que la valeur absolue. C'est pour cette raison, donc, peut-être, cette confusion donc, provient à l'élève. Donc, module de z égale module de z prix. Ça n'équivaut pas que z égale z prime ou z égale moins z prime. Il y a plusieurs, bien sûr, nombres complexes qui ont les mêmes modules qui sont différents. Par exemple, le module de 1 égale à 1, module de i égale à 1, module de racine de 3 sur 2 plus 1/2 i, le module de tahat égale à 1. Il y a infinité donc, de nombres complexes qui ont les mêmes modules sans que ces complexes soient égaux ou opposés. Donc là, il ne faut pas confondre entre ces deux écritures, ces deux notions. Bien sûr, on a la même écriture, mais on n'a pas les mêmes utilisations. Ensuite, l'utilisation de l'ordre. On n'a pas d'ordre dans l'ensemble des nombres complexes. On ne peut pas dire que z est inférieur à z', ou bien z positif, ou bien lorsque z est un nombre complexe qui n'est pas réel. Et ceci, bien sûr, on peut le rencontrer souvent lorsqu'on fait la résolution d'une équation de second degré dans C. Parfois, l'élève calcule les discriminants delta, il trouve delta est égal à moins 1, il dit c'est négatif, donc c'est impossible. Non, bien sûr, dans l'ensemble C, donc toutes les équations ont des solutions. Alors là, donc il faut chercher une racine carrée. Donc le mot, c'est racine carrée, on s'est habitué à utiliser ces symboles racine carrée comme racine carrée de 2, mais ceci n'est utilisable que lorsque la valeur qui est dans cette racine-là soit un réel qui est positif. On ne met pas donc dans cette notation-là un nombre complexe qui n'est pas réel. Dans certains livres donc, étrangers, on note cette notation-là, mais pour nous, donc, cette notation est interdite. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas d'ordre dans l'ensemble des nombres complexes. On ne peut pas comparer des nombres complexes qui ne sont pas des réels. Et bien sûr, la notation racine carrée, celle-ci de delta, donc, n'est pas permise, à moins que
delta soit un réel positif. Ensuite, il y a une autre remarque aussi qu'on a rencontrée, c'est l'itération. Parfois, donc, on vous demande de montrer, par exemple, lors d'une suite, qu'on étudie, on étudie les suites, donc montrer, par exemple, d'abord que quel que soit n appartient à n, suffit n plus 1 moins 2, par exemple, en valeur absolue, est inférieur ou égal à 1,5, valeur absolue de n moins 2. Ensuite, bon, on démontre celle-ci. Ensuite, une question d'après. Après, il vous demande d'en déduire. En déduire que quel que soit n appartient à n, valeur absolue de n moins 2 est inférieure à 1,5 absence n, par exemple. Alors là, donc, certains élèves procèdent par, par une itération, mais c'est, l'utilisation, c'est mauvaise. Une utilisation qui n'est pas donc trop juste, car il va itérer cette, cette expression, l'expression de départ, elle est valeur absolue de n plus 1 moins 2, par exemple, est inférieur ou égal à 1,5 fois valeur absolue de n moins 2. Ensuite, il va répéter celle-ci. Valeur absolue de i1, il va prendre d'abord n égal à 0, donc il va trouver la première, c'est valeur absolue de i1. Valeur absolue de i1, bien sûr, celle-ci, je peux noter cet exemple-là. Par exemple, on a, quel que soit n, par exemple, appartient à n. On a démontré celle-ci, par exemple, valeur absolue de in plus 1 moins 2, par exemple, inférieur à 1,5, fois valeur absolue de in moins 2. Ensuite, une question d'après, il a dit, donc, déduire, par exemple, que quel que soit n appartient à n, valeur absolue de in moins 2 est inférieur à 1,5, par exemple, l'absence n fois i0 moins 2, donc. Parfois, on fait une majoration de I0 moins 2 en valeur absolue et on trouve par exemple inférieur à 1,5 ou bien produit avec, par une autre constante. Mais par exemple, si on veut faire l'itération, l'élève va utiliser celle-ci. Il va dire par exemple pour n égal à 0, celle-ci c'est I2, I1 plutôt moins 2 est inférieur ou égal à 1,5 I0 moins 2. Ensuite, I2 moins 2 est inférieur ou égal à 1,5 I1 moins 2 et ainsi de suite. Est inférieur ou égal à 1,5 fois I2 moins 2, et ainsi de suite. Souvent, pour l'itération, il faut donc donner donc 5 termes, les 3 premiers termes, ensuite les 2 derniers, pour voir donc clairement la méthode de simplification. Ensuite, en IN moins 1, par exemple, moins 2 est inférieur ou égal à 1,5 IN moins 2 moins 2, et les derniers, on prend UN, puisqu'on aura besoin de valeur sur IN moins 2. Ensuite, voilà, donc, l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les termes sont positifs, on a des inégalités, bien sûr, on a des questions précédentes où le un est différent des deux, donc on va simplifier, on fait les produits, il dit, voilà, on va faire les produits terme à terme. Donc, on fait les produits terme à terme, voilà, donc il y a des simplifications, il va simplifier ceci, voilà, ainsi de suite, ceci avec celle, voilà, donc il va trouver, ici, il reste, donc, un moins 2 est inférieur ou égal à 1,5. Ici, on a fait les produits ici, on a le 1 attaché le n, donc on a n terme, l'absence n, et fois valeur sur I0 moins 2. Sauf que ici, bien sûr, vous voyez, c'est vrai, ça c'est ce qui est demandé. Voilà. Mais voilà, ici, il a demandé montrer que quelque fois n appartient à n, alors que, regardez ici, donc ça c'est n là, on a commencé par 1. Donc, n est que normalement, on a pris n supérieur ou égal à 1. Donc, il ne faut pas s'arrêter là, si on a fait l'itération, il faut aussi vérifier maintenant pour n égale 0, il faut vérifier ceci. Donc souvent l'élève, oublie donc cette étape-là. C'est pour cette raison, donc il est conseillé pour ces questions-là de faire un raisonnement par récurrence, ça c'est beaucoup plus pertinent. Bien. Parmi les erreurs aussi rencontrées, c'est l'étude de la monotonie d'une suite. Parfois, donc on trouve une copie où l'élève il calcule la dérivée, pour montrer ou l'étudier la monotonie de la suite n, chercher par exemple, voilà, montrer que la suite n est croissante ou elle est décroissante, il cherche la dérivée, ce qui n'a pas de sens, bien sûr, bien que une suite c'est une fonction, c'est une fonction particulière, mais bien sûr, si on revient à la définition de la dérivabilité, on ne peut pas parler de la dérivabilité d'une suite, on ne peut pas dériver une suite. Alors là, pour chercher le sens de variation d'une suite, donc il faut bien sûr chercher la différence n plus 1 moins n, ou bien le rapport dans les cas, le rapport n plus 1 sur n comparé à 1.
dans les cas où la suite est à terme strictement positif, il y a d'autres méthodes, mais attention, il faut pas, donc on n'a pas, ça n'a pas de sens de chercher la dérivée, bien sûr, de IM. Donc ça n'a pas de sens celle-ci, donc il ne faut pas le faire. Ensuite, les théorèmes de l'abjection, il y a aussi, c'est un petit problème ici qu'on rencontre souvent dans les devoirs surtout et dans l'examen du bac aussi, que certains élèves, donc, ils utilisent donc des hypothèses plus fortes, d'accord, plus fortes pour vérifier donc la objection, pour vérifier. Donc il dit, les théorèmes, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f réalise une objection de l'intervalle i sur l'intervalle f de i. Alors l'élève, parfois, il dit, f est dérivable sur i, f est strictement décroissant. Donc, bien sûr, ici, c'est juste, puisque la dérivabilité, ça entraîne la continuité. Mais si on a utilisé une hypothèse qui est plus forte que la continuité, il y a un bon résultat ou un bon théorème, c'est celui qui, avec un minimum d'hypothèses, il donne une bonne conclusion. Donc là, il faut utiliser la continuité, puisque dans notre théorème, donc on utilise la continuité. Il ne faut pas dire la dérivabilité. Bien que la dérivabilité, bien sûr, entraîne la continuité. Mais il ne faut pas remplacer une hypothèse par une hypothèse qui est plus forte. Pour avoir la même conclusion. Donc, surtout les théorèmes, il faut les utiliser d'une manière correcte. Il faut préciser les hypothèses, ensuite, pour avoir les conclusions. Ensuite, il y a une autre lacune, une autre erreur, c'est que l'élève, lorsqu'on a un encadrement, bien sûr, l'encadrement ici, en f de x, par exemple, lorsqu'on a f de x entre g de x et h de x, on a bien sûr A. On a A est inférieur à B. L'élève, il fait l'équivalence. Il dit équivalent. L'intégrale, en français. Et on passe à l'intégrale. F de x, dx inférieur à l'intégrale, en français. H de x, dx. Et ça, bien sûr, cette implication n'est pas juste. On peut avoir un encadrement d'intégrale sans que, bien sûr, l'intégrale est encadrée, l'intégrale de f est encadrée par 2, l'intégrale de g et l'intégrale de h sur un intervalle, sans que f soit tout le temps ici entre g de x et h de x. Donc on passe à l'intégrale d'une inégalité sur les fonctions aux inégalités sur les intégrales, c'est par une implication. Ensuite, on peut faire les équivalences ici, puisqu'on va faire les calculs sur ces réels-là. D'accord? Ensuite, il y a une autre aussi faute qui, bien sûr, qui n'a pas d'un sens, c'est que l'élève, il les produit. L'intégrale d'un produit, c'est, il faut faire très attention, l'intégrale entre A et B de F de X fois G de X, dx, égale l'intégrale entre A et B de F de X, dx fois l'intégrale entre A et B, G de X, dx, ça c'est grave, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Donc, la seule opération sur les intégrales, c'est la somme, c'est tout. L'intégrale c'est une forme linéaire, donc on a l'intégrale d'une combinaison linéaire des fonctions, c'est une combinaison linéaire des intégrales, mais pour les produits et d'autres opérations, le rapport ainsi de suite, donc on n'a pas de formule. Et là, il faut faire attention à ceci. Bien, une autre aussi erreur, c'est que l'élève parfois confond entre les sens de variation et les signes d'une fonction. D'accord? Les sens de variation d'une fonction, il dit, voilà, puisque la fonction est strictement croissante, donc la fonction elle est positive. Et ça, c'est pas bien sûr juste, puisqu'on peut trouver des fonctions qui sont, bien sûr, strictement, une fonction qui est strictement croissante sans qu'elle soit, donc, positive. Elle est négative, par exemple, en f de x, si je prends f de x égale moins 1 sur x, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, vous remarquez que f de x strictement négatif, quel que soit x, appartient à cet intervalle, et pourtant, si on calcule la dérivée, f' de x est égal à 1 sur x au carré strictement positif. Donc une fonction qui est strictement croissante, d'accord, et bien sûr elle est strictement négative. Inversement aussi, on peut trouver une fonction qui est strictement positive, mais elle est décroissante. On peut prendre par exemple 1 sur x sur l'autre intervalle. Donc il ne faut pas confondre entre fond de variation d'une fonction et les signes de la fonction. Ensuite, d'autres aussi de cette forme, par exemple, lorsqu'on vous demande dans un exercice, on demande donc souvent, c'est l'équation de la tangente en un point. Une fois, on a étudié la fonction, on a tracé la courbe, ou bien avant de tracer la courbe, on vous demande de
donner une équation de la tangente au point de coordonnées x0, point A par exemple, de coordonnées x0 et f de x0, x0 et f de x0, tangente, il écrit de cette manière. Voilà, delta de point f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Ça, c'est pas une équation, bien sûr, une équation, donc ça existe, donc une égalité. Alors là, il faut faire attention, donc l'équation, c'est y égale, et souvent on demande donc de donner l'équation de la tangente. Donc là, donc on écrit, donc ça c'est faux, donc on écrit delta y égale f' de x0 fois x plus f de x0. Sur on perd de notes lorsqu'on écrit celle-ci. Ensuite, mauvaise digestion aussi des formes indéterminées. On a uniquement quatre formes indéterminées. Avant de commencer un exercice d'analyse, donc sur votre feuille de brouillon, il faut d'abord mettre, il faut mettre les formes indéterminées. On a quatre formes indéterminées. Donc 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini et plus l'infini moins l'infini. Donc lorsque je trouve 0 sur 0, il ne faut pas mettre égal à 0. Donc souvent l'élève il met égal à 0, 0 fois l'infini il met 0 et ça c'est faux. Donc on a quatre formes indéterminées. Une fois, lorsqu'on calcule une limite, on trouve l'une de ces formes, alors là il faut faire des transformations de votre fonction, de votre expression pour éliminer cette indétermination. Donc, interprétation graphique aussi, donc parfois j'ai rencontré ceci. Dit, dans la question, il dit calculer par exemple limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, x tend vers 1 plus. On trouve ici par exemple c'est moins l'infini. Ensuite, il vous dit interpréter graphiquement ce résultat. Donc parfois l'élève il dit que donc la courbe admet une asymptote verticale. Donc ça n'a rien à voir avec l'asymptote ici. Donc lorsqu'on a ce taux de variation là et on calcule la limite, on interprète en termes de tangente et demi-tangente. Donc ceci, donc parfois il dit que CF admet une asymptote verticale. Une asymptote verticale. Bien sûr, ça c'est faux. La réponse juste, c'est que donc, la courbe de F admet à droite en son point, d'abscisse 1, hein, une demi-tangente. Une demi-tangente verticale dirigée. Bien sûr, ici, vous voyez, les symboles sont au contraire, un plus ou moins qui dirigé vers le bas. Dirigé vers le bas. Voilà donc en termes de tangente et demi-tangente. Donc il faut savoir interpréter graphiquement une limite. Toujours, lorsque vous allez faire les révisions, vous allez faire les examens du bac, les sujets du bac, vous allez rencontrer que souvent, on vous pose des questions d'interprétation graphique d'une limite, calculer une limite et de l'interpréter graphiquement. On interprète graphiquement une limite, soit par, en termes de branches infinies, asymptotes ou bien branches paraboliques, soit par, bien sûr, dérivabilité tangente et demi-tangente. Ensuite, la dérivabilité de la fonction réciproque. Là aussi, il faut faire attention. Donc, on sait que lorsqu'il s'agit d'une bijection d'un intervalle i sur un intervalle j, on vous demande parfois d'étudier la dérivabilité de la fonction réciproque. On sait que si f est contenu pour la continuité, on sait que si f est contenu sur l'intervalle i, alors sa réciproque f-1 est contenue sur l'intervalle j. F et f-1 en lui-même sont des variations. Si f est strictement croissant sur i, alors f-1 est strictement croissant sur j, et ainsi de suite pour l'autre. Donc l'élève dit, voilà, puisque donc par analogie, il dit, voilà, par abus, bien sûr, par abus de répétition de ces petits résultats, il dit, puisque f est dérivable sur l'intervalle i, alors f-1 est dérivable sur l'intervalle i, et ça c'est faux, bien sûr, pour la dérivabilité. Donc il y a donc un petit problème. Donc f est dérivable sur i, alors f-1 est dérivable sur j, ou f de. Bien sûr, ça c'est, et ça c'est faux. C'est pas comme la continuité, il faut faire très attention. C'est que j, bien sûr, on a une deuxième condition à satisfaire, c'est que, voilà, donc f est dérivable sur i, et, voilà, et une deuxième condition, f prime de x
différent de 0, quel que soit x appartient à y, alors, voilà, alors, une condition suffisante, alors f moins 1 est dérivable sur j qui est égal à f, f de j. Voilà donc ce qui est juste. Puisque ce théorème, on vous demande souvent, bien sûr, d'appliquer ce théorème-là. Bien. Ensuite, la dérivabilité d'une fonction définie par intégrale aussi, bien sûr, il faut parfois l'élève, par exemple, ceci, on vous donne cette fonction, pi de x, c'est l'intégrale entre a et u de x de f de t de t. Voilà. On vous demande d'étudier la dérivabilité de cette fonction sur l'intervalle c'est donné l'intervalle ici, par exemple, x appartient à j. Alors, parfois, l'élève, il dit, voilà, puisque f est dérivable, et u est dérivable, alors là, donc, la fonction qui est à l'intérieur, on parle uniquement de la continuité. Non, pas dire ici, f est dérivable, donc, on ne parle pas de la dérivabilité de f. On ne parle pas de la dérivabilité de f pour celle de phi. Alors là, ce qui est juste, on applique le théorème. F est contenu sur l'intervalle sur un intervalle i, on précise l'intervalle sur lequel la fonction f est contenue. Ensuite, on vérifie que a appartient à i, on vérifie que quel que soit x appartient à j, u de x aussi appartient à i. Donc, d'après la définition, bien sûr, de l'intégrale, on aura, bien sûr, phi de x égale grand f de u de x moins grand f de a, avec grand f, c'est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i. Vous voyez, grand F, puisque c'est une primitive, alors là, on aura la dérivabilité, ou bien aussi, on a les théorèmes, l'autre théorème, qui utilise directement donc le résultat, sans passer par la définition. On dit que F est contenu, c'est l'intervalle I. On vérifie que A et U de X sont dans I, quel que soit X appartient à J, et que la fonction U est dérivable, c'est U qui est dérivable sur l'intervalle J, alors la fonction phi est dérivable sur J. Et on a la formule, c'est que phi prime de X égale U prime de X fois petit F de U de X. Bien, il y a une autre erreur qu'on rencontre aussi souvent, c'est une erreur grave, concernant les théorèmes, l'utilisation des théorèmes de comparaison. Et c'est tous les théorèmes qu'on appelle les théorèmes de gendarme. Voilà, regardez cette erreur. Par exemple, on trouve celle-ci, on trouve que un entre bn et wn, quel que soit n, ainsi de suite. L'élève, il écrit directement, donc ça implique directement limite de un est égal limite de un égale limite de un égale par exemple 2 ou bien 2 par exemple. C'est-à-dire ça c'est faux. On ne peut pas passer directement à la limite car d'abord on ne sait pas si les fonctions de suite plutôt sont convergentes ou non. Donc, ce qui est juste, c'est qu'il faut revenir à la ligne, il faut écrire bien sûr ici, il faut chercher. Donc, à part limite de Vn, on trouve, par exemple, égal à 1, n tend vers juste l'infini, on trouve, par exemple, égal à 2, et limite de Wn égale à 2 lorsque n tend vers juste l'infini, lorsque des conditions sont satisfaites, alors là, on peut conclure que, alors, Un, on a deux conclusions ici, alors, Un est convergent. Car parfois dans les questions, on vous demande de montrer que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Donc on a deux questions ou une seule. Alors cette écriture et celle-là, d'accord, donc donne la convergence et donne la limite. Et voilà, et limite de UN égale 2, un temps vers plus infini. Donc il faut revenir à l'unité, chercher donc chaque limite à part. Si les deux limites coïncident, alors là on peut déduire la convergence et la limite donc en un seul coup. Ensuite, la même aussi notion, donc un entre vn et wn, quel que soit n appartient supérieur ou égal à n0 par exemple, voilà, l'élève voilà qu'est-ce qu'il fait, on veut chercher la limite, toujours le but en temps c'est de chercher la limite de un. Il écrit limite de vn égale plus l'infini par exemple, il trouve celle-là, ensuite il ajoute aussi limite de wn égale plus l'infini. Bien sûr, déduit, donc limite de n égale plus l'infini. Ou bien ici, moins l'infini, on déduit. Bien sûr, ici, c'est
C'est logique celui-là, mais lorsqu'on a les théorèmes, il faut l'appliquer d'une manière correcte. Les théorèmes que nous avons dans le cours, c'est lorsqu'on veut chercher, lorsque la limite c'est infinie, on utilise une seule inégalité. On utilise uniquement celle-là. Ici, donc on n'utilise pas. On n'a pas les théorèmes qui disent ceci. C'est les théorèmes qui disent cela, qui utilisent les deux limites, c'est les théorèmes qui donnent la convergence, où il y a la convergence dessus. Donc, non pas la divergence. Donc il n'est qu'il faut utiliser une seule. Si on a la limite, c'est plus infini, il faut utiliser celle-là, c'est tout. Il faut utiliser, on a Vn est inférieur à un, ensuite limite de Vn égale à plus l'infini. Donc, voilà, limite égale à plus l'infini, voilà. Ou bien, si on a la limite, c'est moins l'infini, on utilise cette inégalité-là. Limite de Wn est égale à moins l'infini, parce que n c'est plus petit, alors la limite de n égale à moins l'infini. Il y a une autre erreur rencontrée. Ça concerne l'image d'inoconique. Pour la section maths, c'est l'image d'inoconique par une similitude. On n'a pas de théorème concernant ceci. Lorsqu'on a une parabole, ou bien une ellipse, ou bien une hyperbole, et on va chercher son image par une similitude f, il ne faut pas dire, puisque gamma, par exemple, c'est une parabole, deux fois f des directrices d, alors, puisque f une similitude, donc elle conserve la forme, alors f de gamma, gamma prime, c'est une parabole de foyer f prime et de directrice d prime, bien que ce résultat il est juste, mais on n'a pas un théorème du coup qui dit ceci, puisque pour les similitudes, la conservation des formes similitudes, on a cherché donc uniquement les images des formes géométriques simples. L'image d'une droite, l'image d'un carré, l'image d'un cercle, l'image d'un parallélogramme, mais on n'a pas donc une forme quelconque. On n'a pas mis en évidence donc l'image par une similitude d'une forme géométrique ou bien d'une autre forme d'une courbe quelconque. Alors là, donc on n'a pas de théorème qui est d'image. Donc ici, par exemple, on dit gamma est une parabole de directrice D et de foyer f, pour nous f conserve la forme, une similitude conserve la forme, alors f de gamma est une parabole, de même pour l'ellipse ou l'hyperbole, on ajoute l'excentricité du tout, parabole de foyer f' par exemple, égale f de f et des directrices. Et des directrices D' est égal à F de D. Alors, donc ici, on n'a pas de théorème. Donc, on ne peut pas utiliser ce résultat. Alors là, comment faire ici? Donc, en utilisant les propriétés que nous avons concernant les similitudes. D'accord? Une fois, on a notre parabole. Gamma, c'est la parabole des directrices D et des foyers F. Alors là, on pose, on dit soit D' l'image de D, et soit F' l'image de grand F. Par petit f, et on dit montrons que gamma prime c'est une parabole de foyer f prime et des directrices d prime. Alors comment démontrer ceci? En utilisant la définition d'une parabole. On prend donc un point de gamma prime et on considère m, on prend m prime par exemple appartient à gamma prime, on prend h prime s'ils sont projetés orthogonales sur la droite des primes, et on vérifie que M prime, F prime est égal à M prime, H prime, en revenant à la parabole gamma, en utilisant, par exemple, puisqu'on a pris M prime appartient à gamma prime, donc on va poser M, c'est F moins 1, c'est la réciproque d'image de M prime par F moins 1, et D prime, plutôt F prime, on prend F prime, on a F, plutôt M' appartient à la parabole gamma prime, donc on prend M est égal à F moins 1 de M' et on prend H est égal à F moins 1 de H'. On vérifie donc simplement, d'une manière assez simple, que H est le projeté orthogonal de M sur la droite B, en utilisant le fait que F moins 1 conserve l'orthogonalité, et on aura bien sûr, puisque H est le projeté orthogonal sur
le projeté orthogonal de M sur D, alors on a M', puisqu'on a M', on a MF égale MH, on aura MF égale MH, on aura MF égale MH. Ensuite, puisque M', F', ça c'est similitude des rapports K, c'est KMF, M', H', c'est KMH. Et voilà, donc puisque MF égale MH, on peut dire que M', F' égale M', H', et par suite, donc M', c'est un point de la parabole de foyer F', des directrices et des directrices D'. Donc, pas de théorème, on n'a pas de théorème concernant l'image d'une conique. Donc, il suffit d'appliquer la définition et la propriété de conservation de l'orthogonalité d'une similitude. Ensuite, et une dernière. Bien sûr, ici j'ai caché bien sûr les erreurs rencontrées concernant les chapitres qui ont été déjà faits pour les autres chapitres, donc c'est inutile. Bien sûr, on n'a pas encore étudié ces chapitres-là, donc c'est pas la peine de donner les erreurs rencontrées. Donc aussi concernant les similitudes pour la section maths, parler du centre d'une similitude. Parfois l'élève parle du centre parmi les objectifs donc fondamentaux sur les similitudes, c'est déterminer bien sûr les éléments caractéristiques d'une similitude. Donc, parfois, l'élève, il dit, voilà, ça, c'est une similitude des centres. Il parle des centres, ensuite, non, bien sûr, il faut parler d'abord du rapport. Lorsqu'on fait notre raisonnement, on dit, voilà, c'est une similitude des rapports K, par exemple, 1,5, 3,5, racine de 1, c'est différent des 1. Voilà, donc, admis un centre. Donc, il ne faut pas, donc, parler du centre d'une similitude avant de mentionner que le rapport est différent des 1. Voilà, donc, bien sûr, ce sont les erreurs rencontrées et qui sont donc fréquemment rencontrées. Donc, il vaut mieux donc que les élèves donc essayent de ne pas le faire donc lors de la résolution d'un exercice. Bien, maintenant, on va essayer de mettre en application ce que nous avons dit concernant l'élaboration de notre cours et le traitement d'un exercice à l'aide d'un ou deux exemples. Un exemple d'analyse, un exemple d'arithmétique. Bien, premier exemple. Exemple numéro 1. Bien, soit la fonction phi, ici, soit la fonction phi définie par phi de x égale l'intégrale entre 2 et 1 sur ln de x t sur racine de t moins 1 dt. C'est une fonction définie par intégrale. Voilà. Première question. Montrer que phi est définie sur l'intervalle ouvert, hein, ou bien aussi on peut poser la question, déterminer le domaine de définition de phi. C'est une fonction définie par l'intégrale, on va chercher son domaine de définition. Deuxième question, ou bien on commence par, d'abord, ou bien on fait la deuxième question pour appliquer donc la démarche que nous avons déjà faite. Deuxième question, petit a, montrer que phi est dérivable. Phi est dérivable sur l'intervalle 1e, ensuite petit b, calculer phi' de x et déduire les sens de variation. Les variations de phi. Voilà donc les thèmes, les questions. Et sur la démarche à suivre ici, comme on a fait, donc pour aborder cet exercice-là, d'abord quand on lit donc, la totalité de l'exercice, comme on a fait, donc voilà, c'est une fonction, voilà, définie par l'intégrale. Donc, on va montrer d'abord que phi est définie sur 1e, donc apparemment, donc, les thèmes ici que je vais adopter, bien sûr, je vais les faire sortir à partir des questions-là. Donc, ensuite, deuxième question, montrer que phi est dérivable sur l'intervalle 1e, on va parler de la dérivabilité, ensuite, calculer phi prime de x, on déduira les sens des variations. Alors là, les thèmes abordés, apparemment, c'est la définition d'une intégrale, l'existence d'une intégrale, d'accord. Ensuite, la dérivabilité d'une fonction définie par intégrale,
Donc on a des formules ici. On dit donc les fiches, donc je vais utiliser donc les fiches que j'ai déjà donc préparées auparavant. Ensuite, on va calculer la dérivée. Donc normalement, donc il nous faut une formule de calcul de la dérivée d'une fonction définie par l'intégrale. Ensuite, des sons de variation, bien sûr, c'est un moyen, la dérivée, c'est un moyen pour chercher les sons de variation de cette fonction-là. Donc vous voyez ici les thèmes donc, que je dois repérer pour répondre à cette question-là. Donc on va parler de l'intégrale, l'existence d'une intégrale. Voilà, définition, comment cette fonction est définie. Ensuite, la dérivabilité d'une fonction définie par l'intégrale. Donc il faut que le résultat donc, concernant l'étude d'une fonction définie par l'intégrale vienne en tête. Ensuite, on va calculer la dérivée. Bien, maintenant, après avoir donc, lu toute la totalité des exercices, on va essayer de répondre question par question. Première question. Montrer que phi est défini sur l'intervalle 1e, ou bien aussi déterminer le domaine de définition de phi. Alors là, donc, on va chercher donc, l'existence d'une intégrale. Donc, on va utiliser la définition d'une intégrale. Donc, d'abord, on va poser donc, soit f de t, la fonction f définie par f de t est égal à t sur racine carrée de t moins 1. C'est la fonction qui est dans à l'intérieur de l'intégrale. Alors là, pour cette fonction-là, on s'intéresse à la continuité. Vous voyez ici, on a t, donc on a un rapport de deux fonctions, t, il n'y a pas de problème pour, pour t, donc c'est définitionnel, mais on a au dénominateur une racine carrée, donc il faut que l'expression dans la racine carrée soit strictement positive. Donc ici, donc on a le domaine de la fonction f, elle est continue. Donc c'est l'intervalle, vous voyez, donc t moins 1 strictement positif, c'est que ça donne que t est strictement supérieur à 1, donc on a f est continue. Donc la première condition, c'est que f est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc vous voyez, on parle de la continuité de la fonction. Et ensuite, il faut vérifier, bien sûr, ici l'existence d'une intégrale. Donc il faut que les deux bornes A et B soient dans l'intervalle de continuité de la fonction qui est dans, à l'intérieur de l'intégrale. Alors là, on a 2 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va chercher les réels x1 tels que 1 sur x soit dans l'intervalle 1 plus l'infini. Ici, donc, on va, donc, vous voyez, donc, la difficulté que nous allons rencontrer, c'est résoudre une équation. Donc, 1 sur ln de x, strictement supérieur à 1. Et ça, c'est équivalent, donc, vous voyez, donc, les deux termes sont strictement positifs, bien sûr, donc, ça, c'est équivalent que ln de x, inférieur strictement à 1, est strictement positif. On passe, donc, à la fonction exponentielle, qui est la fonction exponentielle de la fonction ln, donc qui est strictement croissant. Si donc ça c'est équivalent que l'exponentielle 0 c'est 1 inférieur à x inférieur à e, et voilà donc la fonction. Donc ainsi la fonction phi est définie sur l'intervalle ouvert 1 sur l'intervalle ouvert 1. Donc, pour chercher le domaine de définition d'une fonction définie par l'intégrale, d'abord, on commence par la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. On cherche l'intervalle de continuité de cette fonction-là, d'accord, qui est généralement n'est pas donné dans l'exercice, c'est à vous de préciser. Voilà, ici, dans notre cas, c'est 1 plus l'infini, d'accord. Ensuite, il faut vérifier que les deux bornes, qui sont variables, donc l'une ici, les deux bornes est variable, l'autre est constante, il faut vérifier que ces deux bornes, qui représentent A et B, les bornes de l'intégrale, que ces deux bornes appartiennent à l'intervalle de continuité de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Et si on a 2, c'est appartient à 1 plus l'infini, c'est déjà vérifié. Maintenant, il faut chercher les x, hein, les x, les réels x, ce qui va donner le domaine de définition de la fonction phi, c'est ce qu'on a fini x ici, l'inconnu, la variable c'est x. On va chercher le réel x, c'est 1 sur ln. Bien, deuxième question. Petit 1. Montrer que phi est dérivable sur l'intervalle 1. Alors là, donc, on a un théorème du cours, donc on se réfère au cours, on a un théorème qui nous permet de montrer qu'une fonction définie par l'intégrale est dérivable. Je rappelle d'abord, c'est le théorème, donc le théorème du cours. Donc on a, si on a la fonction phi, par exemple phi de x, hein, égale l'intégrale entre a, u de x, de f de t, de t, on veut étudier la dérivabilité de cette fonction x appartient j, après avoir déterminé le domaine de définition de la fonction phi. Alors là, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si f est continu sur i, intervalle de continuité de la fonction f, ça c'est la première hypothèse. Ensuite, quel que soit x appartient à j, vous avez a et u de x
appartient à I. Et la dernière hypothèse, c'est que la fonction I est dérivable sur J. On n'a pas le même intervalle, faites attention. Donc, voilà, on a ces trois conditions, doivent être satisfaites en même temps. Alors, voilà ces trois conditions. Alors, la fonction phi est dérivable sur J, et voilà, quel que soit X appartient à J, voilà la dérivée. Nous aurons besoin de cette dérivée dans la dernière, pour la dernière question. C'est U' du X fois petit f de I de X. C'est pour cette raison qu'on ne parle pas de la dérivabilité de la fonction f, petit f, on parle uniquement de la continuité, voilà U'. Donc on aura besoin de la dérivée de la fonction U, soit dérivable, ensuite f de U de X. Donc ici on va appliquer ce théorème à la fonction, notre fonction phi. Donc on a déjà, on compose U de X, dans notre exemple c'est 1 sur ln de X. Donc on a la fonction f, première hypothèse, c'est que f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Ensuite on a vérifié que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 e ouvert. On a donc 2 et i de x appartiennent à 1 plus l'infini. Ensuite la fonction u est dérivable sur l'intervalle 1 en tant que rapport de fonction dérivable. Alors, voilà, on a ceci, donc, la fonction phi est dérivable sur l'intervalle 1, sur l'intervalle 1. Voilà, c'est une application directe du théorème de Cooper. Sur la dernière question, il a dit calculer phi prime de x et déduire les centres de variation de la fonction phi. Une fois, donc, on a vérifié que la fonction phi est dérivable, on va calculer phi prime de x. On applique la formule. Phi prime de x, c'est u prime de x fois petit f de u de x. Donc, c'est égal à u prime de x, on fait la dérivée de 1 sur ln de x. D'accord? Donc, c'est la dérivée. Donc, c'est voilà, 1 sur ln de x fois petit f de voilà, petit f, c'est-à-dire on a 1, on remplace t par 1 sur ln de x sur racine de t, c'est 1 sur ln de x moins 1, voilà. 1 sur ln de x, donc la formule des dérivées de l'inverse, c'est moins ln prime sur ln au carré, donc c'est moins 1 sur x sur ln de x au carré fois celle-là, donc 1 sur ln de x sur racine de 1 moins ln de x sur ln de x. On trouve, faites ces calculs, on trouve donc en définitive, on trouve c'est moins racine de ln de x sur x ln au cube de x fois racine de 1 moins ln de x. Voilà la dérivée. Maintenant, on précise les signes sur 1 plus l'infini. Vous voyez que ça, c'est une racine. X appartient à E, donc c'est strictement positif. Tous ces termes sont strictement positifs. Donc, avec les signes moins, donc c'est strictement négatif. Et par suite, la fonction phi est strictement décroissante. Donc, ainsi, phi est strictement décroissante sur l'intervalle 1. Sur l'intervalle 1. Voilà donc pour cet exemple. Bien, on va traiter un deuxième exemple, exemple numéro 2. C'est un exercice d'arithmétique concernant la section maths et la section sciences de l'informatique. Je vais écrire les énoncés. Exemple numéro 2. Qui porte sur les chapitres déjà étudiés en arithmétique. Bien. Soit la suite U, N, soit U. La suite définie sur N par, c'est une suite récurrente, par U0 égale 27 et une relation de récurrence entre UN plus 1 UIN égale à 3
un moins 4. Yeah. Première question, petit a. Montrer que, écrit en abrégé, montrer que, quel que soit n appartient à n, un plus 2 est congru à un modulo 8. Ensuite, petit b, en déduire que, quel que soit n appartient à n, i de 2n, du terme d'indice pair, congru à 3 modulo 8, et i de 2n plus 1, terme d'indice impair, congru à 5 modulo 8. Deuxième question, on a 4 questions. Deuxième question, prouver que quel que soit n appartient à n, 2un égale 50 fois 3 à l'absence n plus 4. Ensuite, troisième question, et avant-dernière, déduire que, quel que soit n appartient à n, 2un congruit à 54 modulo 100. Et la dernière question, c'est déterminer suivant les valeurs de n, suivant les valeurs de l'entier naturel n, d'accord, les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de un, de l'écriture décimale, c'est dans la base 10, de l'écriture décimale de un. Voilà donc les termes, les questions à aborder. Bien, on va commencer d'abord par la première question. Donc, comme on a dit, il faut lire d'une manière grossière donc, toutes les questions. Ensuite, essayer de repérer les thèmes que nous allons utiliser pour répondre à ces questions-là. Ensuite, on fait des détails, question par question. Et pour chaque question, on précise donc les hypothèses et les conclusions. Et entre les deux, on va utiliser notre savoir, les cours que nous avons déjà étudiés. Bien, pour la première question. Petit a, vous voyez, donc, c'est une propriété qui dépend de n et qui renferme donc deux termes de la suite. Voilà, un plus 2, un. Donc, les calculs directs, normalement, ils donnent la réponse. D'accord. Donc, ici, c'est une suite récurrente. Donc, normalement, si on a à démontrer une proposition où il y a uniquement le un, alors là, on procède par récurrence. Ici, on a deux termes, vous voyez, donc, un plus 2, un. Donc, les calculs directs donc, donnent normalement la réponse. Donc, on va calculer un plus 2. Donc, on a un plus 2 d'après cette formule, égal à 3 un plus 1 moins 4. D'accord? Et un plus 1, une autre fois en fonction de un, donc c'est 3 fois 3 un moins 4 moins 4. Donc, on trouve 9 un moins 12 moins 4, c'est le moins 16. Et on passe à la congruence en utilisant les propriétés de la congruence, somme, produit, ainsi de suite. Donc, on aura ceci. Donc, on a. Donc, et ceci, donc ainsi. Donc, un plus 2 est congru. Donc, vous voyez, 9 est congru à 1 modulo 8. Donc, ça, c'est congru à un. 16, donc, c'est un multiple de 8. Donc, ceci est congru à un modulo 8. Donc, car ceci, c'est égal à un plus 8 un. Donc, 8 fois un moins 2. Donc, c'est un multiple de 8. Voilà donc pour celle-ci. On n'a pas besoin de la récurrence. Bon. Deuxièmement, petit b, on déduire que quel que soit n, voilà, appartient à n, i de 2n congru à 3, modulo 8, et i de 2n plus 1 congru à 5, modulo 8. Donc, ce sont les termes d'indice pair, d'indice impair. Donc, vous voyez ici, apparemment, on va utiliser ce résultat-là. Donc, on va utiliser la récurrence. Vous voyez, donc, l'idée. Donc, d'abord, montrons que quel que soit n appartient à n, i de 2n congru à 3 modulo 8. On n'a pas une relation entre deux termes dans cette propriété-là. Donc, c'est la récurrence, puisqu'on a un plus 1 en fonction de un. Donc, c'est par récurrence. Donc, d'abord, l'initialisation. Donc, pour n égale à 0, on a i0 égale à 27.
D'accord. Donc ainsi, 0 compris, voilà, donc c'est égal. Ici est égal à 3, plus 24. Donc ainsi, I0 est congru à 3 modulo 8. On a 24, c'est un multiple de 8. Donc on a vérifié l'initialisation pour n égale 0. Maintenant, on va réduire l'hérédité. Donc on va supposer donc soit n appartient à n ou bien appartient à n étoile, donc puisqu'on a vérifié pour 0. Donc supposons que, il faut bien rédiger la récurrence, supposons que, on écrit donc l'hypothèse de la récurrence, donc supposons que U de 2n est congru à 3 modulo 8, et montrons que bien sûr, ici, on va remplacer n par 1 plus 1, donc l'indice, ça sera i2 fois, entre parenthèses, n plus 1, c'est-à-dire i de 2n plus 2, et non pas i de 2n plus 1, congru aussi à 3 modulo 8. Voilà, donc d'après ce qui précède, vous voyez, on a supposé, on a un plus 2, on a un plus 2 d'après ce qui précède, un plus 2 congru à un modulo 8. Donc, d'après ceci, là, donc on a un plus 2 congru à un modulo 8, ça c'est quel que soit n appartient à n, en particulier, donc ainsi, si je prends au lieu de n, 2n, donc u de 2n plus 2 est congru à u de 2n modulo 8. U de 2n modulo 8. Et voilà donc, nous, donc la conclusion, puisqu'on a, d'après l'hypothèse de la récurrence, u de 2n est congru à 3 modulo 8, donc on a u de 2n plus 2, donc n est or u de 2n est congru à 3 modulo 8, d'où u de 2n plus 2 est congru à 3 modulo, congru à 3 modulo 8. Donc, et on écrit la conclusion, donc on a vérifié l'hérédité, donc, et par suite, bien ainsi, quel que soit n appartient à n, i de 2n congru à 3 modulo 8. Voilà. Donc, de même aussi pour l'autre, bien sûr, celle-ci, ça démontre de la même manière, donc c'est pas la peine, donc de même, on vérifie que. Donc, de même, on vérifie bien sûr par récurrence, on vérifie que U de 2n plus 1 aussi est congru à, comme elle a dit dans la question, congru à 5 modulo 8. Bien, voilà, donc c'est une déduction à partir de la question précédente. Deuxième question, on va montrer que quel que soit n appartient à n, on va vérifier que 2un égale 50 fois 3 à l'absence n fois 3 à l'absence n plus 4. Donc pour démontrer ce résultat, bien sûr, puisqu'on a relation entre un plus 1 et un, donc une propriété qui dépend uniquement de un, donc c'est par récurrence qu'on démontre ce résultat-là. Donc on va le démontrer par récurrence, donc c'est par récurrence. Donc pour n égale 0, on a 2 fois I0 est égal à 2 fois 27 égale à 54. Voilà. Et 54, c'est égal, bien sûr, à 50 fois 3 à l'absence 0 qui est égal à 1 plus 4. Donc c'est vrai. Voilà. Donc l'initialisation est satisfaite. Maintenant, on vérifie donc l'hérédité. Donc soit n appartient à n, supposons que 2 fois un égale à 50 fois 3 à l'absence n plus 4, et montrons que on remplace n par n plus 1, 2 fois un plus 1 égale à 50 fois 3 à l'absence n plus 1 plus 4. Bien sûr, ici on va partir de 2un plus 1 et on va l'exprimer à l'aide de un. Donc on a 2 fois un plus 1 égale, voilà, donc un plus 1 c'est 3 fois un, donc 2 fois 3un moins 4, ça c'est un plus 1, vous voyez, est égal à 3un moins 4, on a remplacé un plus 1 en fonction d'un pour faire apparaître l'hypothèse de la récurrence. Voilà, supposons que ça, c'est l'hypothèse de la récurrence.
Donc on développe, donc on trouve 3 fois 2 fois un, moins 2 fois 4, moins 8, bien, égal 3 fois, on utilise l'hypothèse de la récurrence qui est 2, un égale 50, donc égal à 50 fois 3 à la puissance n plus 4, voilà, moins 8, vous voyez. Donc on revient ici. On développe, donc on trouve égal. Donc 50 fois 3 à la puissance n, c'est 3 à la puissance n plus 1, plus 3 fois 4, 12, et moins 8. Donc on trouve, donc 50 fois 3 à la puissance n plus 1 plus 4. Et voilà, donc on a démontré donc, ceci. Oui. Donc on écrit la conclusion. Donc ainsi, quel que soit n, appartient à n, 2 fois un est égal à 50 fois 3 à l'absence n plus 4. Là, on a démontré cette formule. Voilà, troisième question. Troisième question, il a dit déduire que 2 un, donc déduction, celle-ci c'est une déduction, déduction. Donc on va utiliser ce qui précède, qu'est-ce que 2 un est congru à 54 modulo 100. Voilà, ici, bien sûr, on va utiliser ce qui est précédent. On va utiliser 2in égale à 50 fois 3 à la puissance n plus 4. Ici, bien sûr, on peut démontrer par récurrence le résultat, mais je vais utiliser une autre méthode qui est, on va utiliser, c'est la formule du binôme. Je vous rappelle, donc, la formule du binôme. C'est très important cette formule-là dans les calculs. Donc si je prends A et B, deux réels quelconques, non nul, je prends. Bon. L'un, 2 égale à 0, ça sera un cas évident. Alors A plus B à la puissance n, la formule du binôme dit que c'est la somme de K allant de 0 jusqu'au n, C nk, de A à la puissance K par exemple, fois B à la puissance n, ou bien à l'absence n moins k. Voilà, c'est la formule du binôme. Ici, donc, la puissance, on va utiliser 3 à l'absence n, on va l'écrire sous forme de 2 plus 1. Donc, ainsi, 2 un égale à 50 fois 3, je vais l'écrire 2 plus 1 à l'absence n plus 4. On a pris a égale, par exemple, 2, b égale à 1. Donc, on développe celle-ci en utilisant la formule du binôme. Donc, égale à 50 fois, ici, c'est la somme, k allant de 0 jusqu'au n, 2 à l'absence k, c plutôt, C, K, N, 2 à la puissance K, fois 1 à la puissance N moins K, c'est 1, voilà 1. Ça c'est 1, vous voyez, plus 4. Il ne faut pas perdre de vue, donc là où il faut arriver. Bien, on développe. On développe d'une manière convenable cette somme, donc c'est égal 50 fois. Bon, cette somme-là, on va commencer, bien sûr, 1 à la puissance n moins k, c'est 1, donc c'est la somme de celle-ci. Donc, d'abord le premier terme, j'ai besoin du premier terme, c'est ici 0, n2 à la puissance 0, plus l'autre terme, c'est 1, n2 à la puissance 1, vous voyez, ainsi de suite pour les autres termes, j'ai écrit 2 ou 3 autres termes, c'est 2, n2 à la puissance 2, et ainsi de suite, jusqu'au c2 à la puissance n plus 4. Bien, égal 50 fois. Donc vous voyez, ça c'est 1, et ça c'est 1, donc on trouve 1 ici. Celui-là, c'est n1, c'est n. D'accord? Donc c'est 2n, celui-là. Et c'est égal à n, celle-ci. Voilà, comme celle-ci, c'est égal à 1. D'accord? Et celui-là, donc je m'en fous, vous voyez ici. Cette somme-là, toujours, il y a donc puissance de 4. Il y a un multiple de 4, puissance plutôt de 2. Donc 2 à l'absence 2, ensuite on va trouver 2 à l'absence 3 jusqu'au 2 à l'absence 1. Donc c'est un multiple de 4 celui-là. Donc c'est de forme 4 fois 4 plutôt. C'est un multiple de 4. Donc c'est 4 fois p. Donc plus ici, 4 fois p et les données plus 4.
Donc vous voyez qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 50 plus celui-là, donc c'est 100. Vous voyez, c'est 100. N, et l'autre aussi, donc c'est 50 fois 4, c'est 200. P plus 4, et vous voyez, donc c'est congruent à 54, donc c'est égal à 54 plus 100 fois N plus 2 P. Donc vous voyez, c'est congruent, le reste, vous voyez, donc c'est 54. Donc ça, c'est un multiple de 100, alors là, donc ainsi, 2IN congruent à 54 modulo 100. Donc 54 modulo 100. Voilà, ici, essentiellement, on a utilisé la formule du binôme. Bien, la dernière question, c'est une question intéressante. Il a dit déterminer suivant les valeurs IN, les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de UN. Alors là, on va utiliser une autre fois aussi la formule du binôme, mais d'abord, on va chercher UN. Donc, on a d'abord cherché, je vous rappelle que, bien sûr, déterminer suivant les valeurs d'IN, les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de UN, dans la base 10. On travaille dans la base 10, comme d'habitude. D'accord. Les deux derniers chiffres, c'est-à-dire ça revient à chercher le reste de la division euclidienne de ce nombre par 100. Donc lorsqu'il nous demande de chercher les chiffres d'unité d'un nombre, il suffit de chercher le reste des chiffres d'unité, ça représente le reste de la division euclidienne de ce nombre par 10. Les trois derniers chiffres, c'est le reste, ça représente, ou bien on peut le calculer à partir de la division euclidienne de ce nombre par 1000 et ainsi de suite. Donc ici on a 2IN. 2IN égale, je reviens à cette égalité, de IN est égal à 50 fois 3 à l'absence N plus 4. Donc ça c'est équivalent que UN, j'ai besoin de UN, est égal à 25 fois 3 à l'absence N plus 2. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser donc de nouveau la formule du binôme. Donc c'est égal à 25 fois, je vais l'écrire ceci, 2 plus 1 à l'absence N plus 2. Et je développe celle-là, donc c'est 25 fois, comme d'habitude, donc c'est la somme de k allant de 0 jusqu'au n, de c n k, 2 à l'absence k, voilà, plus 1, plus 2. Je développe. Donc c'est égal, 25, voilà ici, donc je vais prendre quelques termes. N'oubliez pas que je cherche le reste modulo 100 ici, sur les deux derniers chiffres. Donc, les deux derniers chiffres. Donc ici, d'abord, pour k égale à 0, ici, donc c'est 1, c'est 0, n, c'est 1, 2 à l'absence 0, c'est 1, donc c'est 1, plus ensuite, pour k égale à 1, on a c, n, 1, c'est n, et on a 2 à l'absence 1, c'est 2, donc c'est plus 2n, ça c'est d'abord, ensuite les restes, c'est un multiple de 4, donc modulo, reste 0, modulo 100. Donc le reste, c'est, voilà, par exemple, je vais écrire ici 2n, 2 à l'absence 2, plus c, 3n, 2 à l'absence 3, lorsqu'n est supérieur à 3, ainsi de suite, plus c, n, n, 2 à l'absence n, ça c'est ici, ensuite plus 2, et comme vous remarquez, là il y a 4, ensuite 8, ainsi de suite, donc ça c'est un multiple de 4, donc c'est de la forme 4 fois p, donc vous voyez qu'est-ce qu'on trouve, on trouve 2, 25, ça c'est d'abord 25, ensuite plus 25 plus 50 n plus ici, donc 100, vous voyez, 100 p plus 2, 100 p plus 2, donc en définitive on trouve 27, 25 plus 2, 27, plus 50 n plus 100 p, et là la discussion s'impose, bien sûr, il a dit selon les valeurs de n, donc vous voyez, et on divise par 100. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est 0, son reste, voilà, c'est celui-là, c'est ce terme-là, donc, qu'on va discuter selon n. Bien sûr, on divise par 100, bien sûr, ça se voit que lorsque n est pair, donc on trouve un multiple de 100, et lorsque n est impair, on trouve autre chose. Vous voyez, donc, ici, la discussion, donc, si n est pair, donc n, par exemple, est égal à 2 fois q, n égal à 2q, donc on va trouver que un est égal à 27, plus, on va remplacer n par 2q, donc il est 100q plus 100 et p. Donc vous voyez, ça c'est le reste. Donc les deux derniers chiffres seront 2 et 7. Vous voyez, les nombres formés par les deux derniers chiffres sur les 27. Ensuite, n est impair, dq plus 1. Donc on trouve un, on remplace ici. Donc on trouve un égal à 27 plus 50 fois
2q plus 1, 50 fois 2q, c'est 100q. Et on a le plus 1 ici, donc plus 50. On a plus 100p. Donc vous trouvez qui est égal à 25 plus c'est 77 plus 100q plus 100p. Donc vous voyez la conclusion, donc ainsi. Un est congru à 27 modulo 100 si n est p, n est congru à 0 modulo 2, et un congru à 77 modulo 100 si n est un nombre impair égal à 2q plus 1 ou bien n est congru à 1 modulo 2. Et voilà, donc les deux derniers chiffres, c'est ou bien 27 lorsque n est pair, ou bien 77 lorsque n est impair. Et voilà, espérons donc, on a terminé cet exercice, espérons que l'intérêt est fait et au revoir.